de la blonde ou de la brune, c'est comme on veut. Et moi, j'ai fait de l'ambré, c'est un petit peu un compromis entre les deux. À sentir, ça sent déjà bon. Donc ça, on va attendre que ça réduise. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'il y ait l'évaporation de l'alcool. Et une fois que ça va être réduit, on va mettre du fond brun devant. Il va donner une sauce comme ça. Après. Il y en a encore un petit peu trop là, mais on va attendre bien que ça s'enlève. Alors bon, moi j'arrête là, bien sûr qui cuit. Ça réduit gentiment, ça réduit. Mmh. Donc là, il en reste très peu. Là, on va pouvoir mettre notre fond brun. Voilà. On va laisser cuire. Moi, je vais laisser cuire ça une quarantaine de minutes à peu près. Pour que tous les légumes, les petits légumes soient cuits. Hein, soient fondants. Mmh. Au bout d'une quarantaine de minutes, là. Voilà. Là les légumes sont cuits. On a mis le jarret dedans, là, pour que tout ça, le goût de la bière rentre dedans, et tout ça. Parce que là, il va être bon à passer. Avec les petites pommes grenailles mitraillettes, parce que c'est de ce calibre. Mm-hmm. Et les cèpes qu'on a trouvées dans le parc. Voilà. Les cèpes d'été. Donc, un petit peu de farine de maïs pour lier tout ça. On va mettre un petit peu de blison à la sauce du porc, donc on va goûter maintenant. Là c'est bon, elle va être nappante. On va prendre une douche, on va regarder. Là on va attendre notre train un petit peu. Vous appelez toujours l'ail et le persil, bien sûr. Là, j'ai des tiges de nounou. On appelle ça aussi la cédère. Je vais mettre un peu par-dessus.